Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous ouvrons un deuxième volet concernant les termes techniques qu'il faut à tout prix connaître pour bien cerner toutes les subtilités d'une voiture radiocommandée. Différentiel, satellite et planétaire n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Bonne vidéo. Le différentiel à pignon. Le différentiel est un organe mécanique qui est l'un des plus importants d'une voiture radiocommandée. Il se situe à l'intérieur de l'une des cellules de l'auto, voire des deux, et sa présence peut être aussi détectée au centre de la transmission. Le différentiel sert à améliorer la tenue de route d'une auto en permettant aux roues intérieures et extérieures de tourner à des vitesses différentes lorsqu'une auto aborde un virage. Pour ce faire, le différentiel est composé de plusieurs pignons à l'intérieur de son corps, des pignons que l'on a coutume d'appeler les pignons coniques. Les plus gros d'entre eux sont situés dans le prolongement des deux sorties des noix de cardan. On les appelle les planétaires. Chaque différentiel ne peut pas contenir plus de deux planétaires. Les plus petits d'entre eux se nomment les satellites et sont disposés en forme de croix. Leur nombre peut varier de 2 à 4 sur un différentiel de voiture RC. En fonction de leur nombre, le différentiel sera sensiblement influencé dans son fonctionnement en donnant plus ou moins de motricité. La dureté de la graisse ou de l'huile renfermée à l'intérieur du différentiel interfère également sur la motricité. La règle qui prévaut en la matière veut que plus le différentiel est dur, plus la voiture est efficace grâce à sa motricité plus importante. En contrepartie, la dureté du différentiel peut rendre l'auto plus difficile à piloter selon l'endroit où il est situé sur l'auto. Le différentiel à billes. À la différence d'un modèle classique à pignon conique, celui-ci fait appel à des billes afin de réguler les mouvements des deux roues d'un même essieu dans les virages. Le différentiel à billes possède un corps en deux parties, relié par une longue vis. Les billes sont réparties entre les deux parties des corps sur un plateau. Ce dernier est souvent constitué de la couronne du couple de transmission ou bien de la couronne crantée d'entraînement d'une courroie. Pour un fonctionnement exemplaire, les billes de ce type de différentiel ont besoin d'être lubrifiées avec de la graisse lors de leur montage. L'avantage d'un tel différentiel, c'est qu'il est facilement réglable en dureté, et ce, sans avoir besoin de le démonter ni de l'extraire de la cellule à l'intérieur de laquelle il est inséré. Le réglage de dureté se fait ici en démontant un des cardans de l'auto pour avoir simplement accès à la vis de réglage qui se trouve au fond de l'une des deux noix de sortie du différentiel en question. Plus besoin de démonter le différentiel et de remplacer sa graisse ou son huile pour en modifier la dureté, puisqu'il suffit ici de tourner la vis pour avoir un différentiel plus dur et de la dévisser pour qu'il s'assouplisse. Le différentiel autobloquant ou à glissement limité. La faiblesse du différentiel ordinaire réside dans le fait que si une roue entraînée n'adhère pas, par exemple une roue qui accélère sur un circuit glissant ou bien boueux, l'ensemble de la transmission du couple se fait sur cette roue et le véhicule n'avance plus correctement en se mettant à patiner. Pour pallier à ce problème, certains différentiels sont conçus pour se limiter à partir d'un certain seuil de glissement. Ils sont donc capables de détecter un écart de couple entre les roues de la voiture. Ces différentiels, on les nomme autobloquants ou encore différentiels à glissement limité. On les retrouve sur certaines voitures de tout terrain qui évoluent sur des surfaces où l'adhérence est souvent précaire. Ils constituent également un atout sur les voitures puissamment motorisées qui génèrent beaucoup de couple, autrement dit du patinage et des pertes de motricité. Les satellites. Les satellites font partie des éléments mécaniques qui entrent dans la composition du différentiel. Ils entrent en fonction pour donner de la motricité aux roues à l'accélération. Ils constituent les plus petites pièces de la pignonnerie du différentiel et sont généralement élaborés en zamac, un dérivé d'aluminium, ou en acier, voire en nylon injecté sur des voitures loisirs style jouet. Leur nombre varie généralement par nombre pair, de 2 à 4, et leur montage tient sur un ou deux axes en forme de croix. Mais il n'est pas rare de les compter au nombre de 3 à bord de certaines autos, comme celle de la marque Tamiya par exemple. Plus le nombre de satellites augmente au sein d'un même différentiel, plus la motricité sera importante. De même, plus leur nombre est important, plus le différentiel se durcira au toucher, à viscosité d'huile ou de graisse équivalente. Les planétaires, ce sont obligatoirement les plus gros pignons du différentiel. Ils sont constitués d'un matériau identique à celui des satellites, en zamac ou en acier, voire en nylon injecté sur des voitures loisirs style jouet. D'un différentiel à l'autre, leur nombre ne varie pas. Vous trouverez toujours deux planétaires au maximum dans un différentiel pour voiture radiocommandée. Les planétaires viennent s'emboîter par l'intérieur sur les axes des noix de cardan qui sont situés à chaque extrémité du corps du différentiel. Ils peuvent être allégés par des fraisages sur leur partie interne pour gagner du poids sur les masses en rotation. La couronne conique de transmission.
La couronne conique de transmission qui se trouve présente à l'intérieur des cartères de cellules est également à classer parmi les nombreuses pièces qui entrent dans le mode d'entraînement de tout l'ensemble de la chaîne de la transmission. Elle sert à faire tourner le différentiel dans son ensemble, puis à établir aussi la liaison entre les deux essieux d'une voiture dotée d'une transmission intégrale 4x4. Elle peut être en plastique ou en alliage ou en acier. Avec son pignon d'attaque, elle forme ce que l'on appelle le couple conique. Ce couple conique est un élément prépondérant de la chaîne de transmission d'une auto. On le localise à l'intérieur des cartères de cellules. Si votre auto ne possède que deux roues motrices situées à l'arrière, le couple conique sera forcément placé au niveau du carter arrière. Si votre auto possède quatre roues motrices, elle possédera deux couples coniques placés à l'avant et à l'arrière. Le couple conique est constitué d'une couronne conique qui est fixée sur un ou deux différentiels de l'auto. L'autre pièce s'appelle le pignon d'attaque. Celui-ci est placé à l'entrée de la cellule et se trouve généralement supporté par deux roulements à billes. Le couple conique a pour mission d'entraîner les roues d'un essieu. Il s'agit d'un élément de liaison. Il existe deux modèles de couple conique qui font chacun allusion à la forme de leurs dents. Le couple conique à taille droite et celui à taille hélicoïdale qui possède des dents inclinées naturellement. La couronne principale de transmission. La couronne principale de transmission se situe le plus souvent au centre de votre auto, mais pas obligatoirement. On peut la localiser en sortie de la cellule arrière, sur des électriques notamment. D'ordinaire, elle est en nylon injecté ou en acier, selon les autos. Toujours selon les autos, elle permet de modifier le rapport de transmission pour favoriser les accélérations ou au contraire, la vitesse de pointe. Plus son nombre de dents est important, plus la voiture va tirer court et favoriser la nervosité. Et inversement, avec une règle qui prévaut en la matière, qui consiste à établir que 3 dents à la couronne centrale équivalent à une dent à la cloche d'embrayage sur une voiture thermique ou à une dent sur le pignon moteur sur une voiture électrique. Sur une voiture de loisir et a fortiori sur un véhicule électrique, elle peut être couplée à un slipper, un mécanisme à glissement qui permet de différer le couple moteur transmis aux roues dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne 1001 Hobbies.